but, c'est de faire le couloir Faustin sur le versant est du Mont-Valier. C'est un grand classique de l'alpinisme pyrénéen, là. Et puis, il est rarement en condition pour le ski, mais là, normalement, il doit l'être, là. Et toute la poudre, là, ça va être l'enfer. Le problème, c'est l'accès. Là, normalement, on devrait se garer par là, en espérant que la route est déneigée jusqu'en haut, jusqu'à Faupe, là. Et après, faut faire tout ça en ski, tac, passer un col, redescendre. Et là, on va devoir dormir dans une cabane. Sachant que le problème, c'est qu'il a vachement neigé. Donc, ça se trouve, la cabane, elle est complètement ensevelie. Le lendemain, d'abord traverser sur un terrain foireux dans la forêt. Puis après, faut monter ce col, là. Bon, on va aller regarder ce que ça dit, point de vue neige et météo. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le risque d'avalanche, il a baissé énormément. Il était à 5 il y a 2 jours. Là, il est passé à 3. Alors, on va aller regarder dans le détail. Sur les 4 derniers jours, il est tombé pratiquement 80 cm de neige. Sur les hauteurs de neige, on est bon. Là, normalement, les cabanes, elles devraient être déneigées. Et du coup, par contre, le gros problème, c'est l'historique de vent. Parce que du coup, en plein pendant les chutes de neige, on a eu du vent qui a soufflé à 70 km/h en venant pile du nord-ouest. Et le problème, c'est que si on prend la carte, le vent qui siffle du nord-ouest, en fait, ça veut dire qu'il a emporté la neige et qu'il l'a déposée à l'intérieur du couloir. Donc en gros, il y a une grosse plaque à vent en entrée du couloir. Logiquement, ça veut dire que toute la partie supérieure du couloir est hyper dangereuse pour le risque d'avalanche. Il va pas falloir qu'on déconne, quoi. Ça se trouve, il faudra pas aller jusqu'en haut, il faudra s'arrêter genre 100 mètres en dessous. Il va jusqu'à combien ton duvet là? Moins 22 en extrême. Normalement on devrait avoir du moins 10 maximum, je pense. Ou alors la liste des choses à faire aujourd'hui, charger les batteries. Aller acheter la bouffe de montagne et puis de l'apéro de ce soir. Toute la bouffe pour les deux jours là. Puis une pelle hein, parce que la mienne je me l'étais faite voler là en Espagne. C'est là, t'as fait? Ouais, j'ai acheté la même pelle que toi. Non, t'as déjà les petites dents toi. Elle est plus lourde, non? La mienne est plus lourde? Il est où celle-là? Mais non, mais c'est le carton qui fait que c'est plus lourd. 400 grammes. 400 grammes, c'est pareil. Préparer le matos. Tout le matos que je prends, là c'est juste pour moi, ça. Et la partie de Dimitri qui est là. Hein? Alors là, derrière, c'est le vélo. Et commander des pièces de vélo, parce qu'en bonus, on a décidé de remonter un vélo. Mais bon, ça n'a rien à voir là avec ce qu'on va faire. On va pas le prendre, hein. Là c'est ski. Ton arroi, les piles sont bonnes. Ah oui, je vais prendre le serrage là-dessus en plus. Moi j'aurais dit un. Hein. Ouais, mais si tu rames à les mettre. Enfin bon, de toute façon, faut que ça soit ajusté. Non, moi je dirais que ça va plutôt. Et là, t'as perdu ton descendeur. Ah bah là, toi t'es dans la merde. Hé hey, chef, il y a le descendeur qui est descendu. Non, mais attends, je vais vous montrer quand même, quoi. Non, alors ça. Faut que vous puissiez faire ça, je vais fermer, hein, parce que sinon... Ah bon, ça, on va faire maintenant. Tu mets jamais dans l'anneau, là. Tu mets toujours. Même moi? Tu prends les deux bras, ouais, toi aussi. Tu prends toujours les deux bras. Allez, je fais le boule rocher. Donc, quoi, tu mets juste ta plaquette sur les deux. Oui, voilà. Maintenant, tu vois. Attends, mais laisse-moi. Pierre, elle va nous voir, elle va nous prendre pour des boules rochers. Non, non, c'est pas ça. Ça, je vais faire. Ça, tu glisses toujours. Là, tu descends comme ça. Et en fait, mets ça toujours vers le haut. Ah, en fait. Tu viens. Ah, oui, c'est bon. Et donc là, tu mets les deux mains. Non, tu descends avec les deux mains en dessous. Ah, tu vas voir, ouais, et tu te laisses. On a une propension à foutre le bordel quand même. C'est impressionnant dès que t'es là. Hein. Oh, voilà. Bon, normalement, un sac bien fait, il doit tenir debout tout seul. Voilà. Donc, il est bien fait. Putain, il est trop léger quoi. Zéro bis, prendre des vitamines. Allez, du gonzon pour demain. Faudra pas oublier ça. Moi, j'ai le berroca. Ouais, le berroca, ça donne pas un coup de fouet, quoi. Je veux pas que tu me pètes un coup de fouet. Là, dehors, c'est un putain de temps à neige, là. Ça sent la poudreuse. Oh, le temps est magnifique. Donc on voit là que toutes les avalanches sont parties. Donc le risque doit être plutôt bon là. Faut laisser le split border faire la trace devant. Parce que avec ces spatules plus larges, c'est mieux pour nous ensuite. Donc demain on va faire le sommet qui est là-bas. Le Valier. Enfin non, on va pas faire le sommet, on va s'arrêter en haut du couloir.
bah c'est là qu'on va dormir. Il va falloir déneiger l'entrée. Hein. Hop là, et voilà l'entrée. Creuser. Ah oui, c'est trop bon. Bon, même la corvée, ouais. C'est la violence aussi. On a dû foutre les skis pour remonter pour aller chercher de l'eau. Ah, elle est chaude, hein. On a Claire qui vient aller chercher une stère de bois. Par contre, on avait commandé notre bois coupé en 50, Claire. Vraiment être con, partir à 3h du mat dans la nuit noire pour aller sur des pentes glacées. Et bah c'est parti. Et on va par là-bas. Into the black. Nous avons fait demi-tour parce que ça brassait trop. Trop tard. Ouais, un peu trop tard. Et puis une neige pas forcément prometteuse. Donc on voit bien notre couloir. Nous on a arrêté par là. Bon bah on a bien fait de pas le faire. Les avalanches en plein dans la face. Bon voilà un couloir de secours. On va se le faire histoire d'être pas venu pour rien. Qu'il est beau dans l'effort, il peut de son mieux. Ah, il est toujours beau, pas que dans l'effort, tu déconnes. Incline-toi plus contre la paroi, ça fait plus incliné. T'es con. Bon bah, ça rigole pas finalement. J'aime pas dans le ski de rando, c'est la rando.